Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, une vidéo cœur, un cœur pour représenter eh bien le prochain coaching du mois de mars qui est un coaching love. Alors pas un love coaching dans le sens accompagner les célibataires, accompagner les personnes voilà qui ont besoin eh bien de retrouver. Hop, je me mets un petit peu en zoom, ça sera mieux. Retrouver l'amour, par exemple, c'est pas ça. Là, c'est vraiment retrouver l'amour, mais l'amour de soi. Donc là, on va arriver sur le mois de mars, hein, dans quelques jours. Et donc, du 3 au 30 mars, on s'en va sur un nouveau coaching. Alors, du 3 au 30, pour être vraiment dans les dates de portail, le 03-03 au 30-03, qui fait un effet miroir. Donc là, on est sur les deux dates de portail du mois de mars, des portails énergétiques. Et donc, c'est volontairement que j'ai choisi ces deux dates pour pouvoir vous permettre vraiment d'être dans un good move, d'être vraiment dans une belle énergie. Et là, ce qui va vous être proposé durant un mois, ça va être de... Alors, c'est un coaching en ligne, hein, sur un petit groupe Facebook, un groupe privé. Donc, ou n'apparaît finalement que en privé ce que nous allons partager. Et donc il va vous être proposé de travailler tous les jours du 3 au 30, même le week-end, sur des petits exercices, des vidéos, des partages, de la réflexion autour de l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, l'amour universel, la relation à l'autre, se libérer des liens toxiques. En gros, voilà ce qu'on va traiter durant ces semaines du mois de mars. Hein, ça fait un petit mois, hein, du 3 au 30, donc durant le mois de mars. Où on va vraiment réapprendre à s'aimer, où on va se focaliser et mieux comprendre le fait que s'aimer soi... N'est pas égotique, n'est pas égocentrique, mais au contraire est tout à fait nécessaire parce que mieux on va s'aimer, je ne vais pas dire plus on va s'aimer, mais mieux on va s'aimer, mieux on arrivera à aimer les autres, mieux on arrivera à créer une relation saine avec l'autre. On regardera aussi d'un petit peu plus près cette histoire du triangle de Karpman avec cette notion de sauveur, persécuteur et victime. Hein, au bourreau, au sauveur, victime. Et on ira regarder un petit peu bah, comment on se situe là-dedans et comprendre que l'objectif, c'est de sortir de ce schéma-là dans nos relations de manière générale pour pouvoir évoluer le plus sainement possible. On va travailler un petit peu aussi sur l'enfant intérieur, sur cet enfant que l'on était, pour se reconnecter à cet amour du petit enfant, en fait, hein, qui lui est naïf, qui est spontané, qui aime sans compter. Voilà, mon petit garçon ce matin qui a 3 ans, il me disait, oh, maman, je t'aime, t'es beau. Ah bah, toi aussi, t'es beau. Voilà, et donc, toute cette spontanéité, ce côté naturel, et puis cet amour qui transporte les enfants, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, ok, qui traverse les enfants, qui les nourrit aussi, bien sûr, et bien, se reconnecter à ça pour pouvoir se reconnecter à l'amour de soi. On va vraiment travailler ça sur, bah, sur ces presque 4 semaines, hein, du mois de mars pour vraiment être au plus près de ce qu'est l'amour de soi. Alors c'est un coaching qui coûte 30 euros, toujours pour être dans la résonance avec les chiffres 03, 30, voilà, donc pour être dans cette résonance-là, dans cette vibration-là. Le précédent coûtait 22 euros pour être dans la vibration du 2. Et le suivant, non, 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 il ne sera pas à 40 euros, mais à 14 euros pour celui du mois d'avril. Et à mon avis, il va grandement vous plaire aussi. Je vais vous dévoiler la thématique juste après dans une autre vidéo. Donc là, ça va vraiment être le moment de se reconnecter à soi, de se reconnecter à notre vie sentimentale, mais aussi à notre vie de couple. Intérieur, hein. Donc le couple intérieur, c'est notre vie personnelle entre nous et nous. Hein. Donc ça, c'est important de comprendre ça, c'est que c'est vraiment pas un coaching qui est
ouvert spécialement aux personnes qui sont seules dans la vie, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ouvert à tous. Si vous êtes en couple depuis 20 ans et que tout va bien dans votre vie, c'est ok aussi, hein. Là, c'est vraiment, tiens, bon, je m'apprécie, mais là, je vais aller travailler encore plus en profondeur. Je m'apprécie, mais j'ai du mal à communiquer avec les autres, j'ai du mal à être en lien avec eux, ou je me sens toujours rejetée. Bah, je vais aller travailler un petit peu sur ce lien à l'autre. Bon, je m'apprécie pas du tout, je ne m'aime pas physiquement. Eh bien, là, on va aller retravailler ça. Bon, je m'apprécie à peu près physiquement, mais j'ai carrément pas confiance en moi. Du coup, ça crée des difficultés dans mon travail, dans mon lien à l'autre. Bon, dans mon lien à moi, n'en parlons pas. On va aller travailler ça. Donc, c'est vraiment l'amour sous toutes ses formes. Ça va être l'amour passion, ça va être l'amour de soi, ça va être l'amour des autres, ça va être le regard que l'on porte sur soi, mais aussi le regard que les autres portent sur nous et comment on peut le vivre. Enfin, voilà, il va y avoir tout ce travail-là qui va se mettre en place. Le but du jeu, parce que ce n'est qu'un jeu, c'est que vous repartiez au mois d'avril, hein, presque, hein, le 30 mars, avec un autre regard sur vous-même, avec un autre regard sur l'amour en général, mais sur l'amour de vous surtout, avec une meilleure estime de vous, avec une meilleure confiance en vous, que vous ressortiez au bout d'un mois en vous disant « Ah ben, je m'aime en fait. » J'en ai même les larmes aux yeux, tiens, qui me viennent instantanément. Finalement, je m'aime. Je suis pas parfait, je suis pas parfaite. J'ai des choses encore à comprendre, à travailler, à adoucir, à apaiser, à guérir. Mais là, ici, tout de suite, maintenant, je m'aime comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. C'est quelque chose qui est aussi très souvent répété en EFT, hein, pour ceux qui connaissent cette technique. Donc, c'est ce que je vous propose. Ce sont des petits exercices. Alors, ce sera sous forme de vidéo ou d'exercices partagés comme ça, par écrit sur Facebook. Il n'y a aucune obligation de partager vos réflexions, hein. Vous pouvez rester en retrait. Là, j'ai un groupe d'une centaine de personnes. Et je ne sais pas, il y en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine qui interagissent en réalité sur le groupe. Les autres le font en retrait et c'est ok. Il n'y a aucune obligation de dire finalement ce que vous avez sur le cœur. Mais parfois ça peut aider. Parfois ce support, en fait, groupe Facebook, ben, il va créer des affinités. Il va créer du « Ah, toi aussi, oh, punaise, je me sens moins seule. » J'en ai eu le souffle coupé, vous voyez. Ah tiens, c'est intéressant ce qu'elle dit. Oui, finalement, ça résonne en moi. Ah tiens, c'est intéressant ce qu'il dit parce que finalement, moi, ça ne me parle pas. Donc, voilà, et c'est ok. Et donc, comprendre aussi qu'on est tous différents, on a des individualités qui sont différentes mais qui peuvent se compléter ou pas. Et ça aussi, c'est ok. Donc, le fait de travailler sur un petit groupe Facebook comme ça, ça permet ben, d'échanger tous ensemble, de suivre un rythme au quotidien tous ensemble, de s'entraider bien sûr, de partager bien évidemment, mais aussi de se sentir dans un cocon. Ce sont les retours que j'ai à chaque fois sur mes groupes de coaching, parce que le groupe est privé. Donc tout ce qui est partagé reste sur le groupe. Vous ne pouvez pas exporter les infos, etc. Et donc on se sent bien, on se sent en confiance. Il y a toujours un climat de bienveillance. Sur mes groupes, je n'ai jamais eu de personnes qui vont aller tacler une autre personne en disant « Oui, mais toi, jamais !» Alors, parce que je pense que je rassemble cette énergie-là de bienveillance et que c'est un égrégore qui se crée assez naturellement. Je le souhaite, je l'espère en tout cas. Toujours est-il que c'est le cas, donc c'est cool. Et donc, c'est ce qui fait qu'on se sent bien. On se sent un petit peu, voilà, dans un cocon. Il y a une notion de chaleur, de bienveillance. On peut se livrer aussi. Et ça, c'est souvent ce qu'apprécient les gens qui font ces coachings avec moi. D'autant que là, on va vraiment se coucouiller. Hein. C'est vraiment le but, là. Hein. Voilà. Alors, Virginie qui partage, puisqu'elle fait partie du groupe actuellement, et elle dit que c'est un bel espace d'expression. Effectivement, ça peut l'être, hein, pour ceux qui en ont envie. Ceux qui ont envie de s'exprimer, c'est un bel espace, je suis d'accord. Alors, comment ça fonctionne concrètement, hein. Chacun s'y connecte quand il le veut. Moi, tous les jours, pareil, hein, je peux connecter le matin comme je peux connecter très tard le soir.
et donc partager à n'importe quelle heure de la journée. Donc c'est OK. Chacun va venir regarder dans la journée ou le lendemain ou 2 jours après. Et je note à chaque fois J1, J2, J3. Donc normalement, on s'y retrouve. Et donc on suit, hein, ensemble le cheminement. Alors il y a un processus pédagogique, hein, un cheminement pédagogique dans mes coachings. Donc il vaut mieux suivre dans l'ordre, hein, parce que sinon, effectivement, vous risquez d'être perdu. On suit dans l'ordre, tout reste sur le groupe, c'est-à-dire que même au 31 mars, le groupe ne ferme pas. Donc chacun peut continuer d'y partager des choses, échanger, mais surtout retourner, en fait, regarder ce qu'il a pu louper, ou dans un an, retourner sur le coaching en se disant, tiens, allez, j'ai envie, j'ai besoin de me replonger là-dedans, et il reprend J1, J2, J3, etc. Et tout reste accessible de manière illimitée. C'est ce qui est vachement intéressant parce que pour 30 euros, vous l'avez à vie. Alors, dans ces coachings, je ne vais même pas dire la plupart du temps, systématiquement, il y a minimum un soin vibratoire qui est offert. Soit ce sont des soins que j'ai déjà et qui sont en boutique et qui sont d'une valeur de 15 euros, soit ce sont des soins que je crée spécialement pour le groupe, ça dépend. Donc, rien que ça fait la moitié du prix. Hein, donc, et là, par exemple, sur le groupe qui est en train de se terminer, ils en ont déjà eu 2 et je vais en partager un troisième, ce qui fait une valeur de 45 euros, normalement, alors qu'ils ont payé, eux, 22 le coaching. Donc, on est forcément gagnant. Voilà. On est forcément gagnant, sans compter que ben, on est gagnant de toutes les nouvelles rencontres que l'on fait, de tout ce que l'on va partager, échanger ensemble, de tout ce dont on va se nourrir. Et je dis bien ensemble parce que moi aussi je grandis et j'évolue avec le groupe. J'ai mes prises de conscience personnelles aussi et j'évolue avec vous. Et ça aussi c'est chouette quoi. Donc gratitude déjà à toutes ces personnes qui se sont inscrites parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites sur le groupe du mois de mars qui y sont déjà présentes, qui vont s'y présenter aussi et pouvoir commencer à échanger. Donc les places sont illimitées pour celui-ci. Donc, il n'y a pas de attention, voilà. Seulement attention à la date. Le coaching commence le 3. Alors, je ne sais pas quel jour c'est le 3, mais souvent, je laisse quelques jours. Je laisse 2, 3 jours en plus, hein, on va dire jusqu'au 5, jusqu'au 6. Allez, par exemple, jusqu'au 6 mars. Par contre, après, c'est tout. Je clôture les inscriptions parce que sinon, bah, si les gens arrivent, entre guillemets, le 10, bah, ils sont en décalage total et là, c'est plus OK, quoi. Quand on a 2, 3 jours de décalage, ce n'est pas grave. On arrive facilement à rattraper, mais au-delà, ça devient plus gênant et ça peut être même gênant personnellement. Donc, vous avez jusque début mars pour vous inscrire. Alors, si là, vous vous dites, ah ouais, mais Mel, t'es mignonne, mais là, on est en fin de mois, moi, je ne peux pas me le permettre. En fait, ça n'a pas d'incidence. Vous pouvez aller sur le site, sur la boutique, dans la section coaching, vous réservez votre place et vous notez, vous choisissez en fait un paiement par virement ou par chèque. Ce qui vous permet en fait d'accéder d'ores et déjà à votre place tout en réglant dans quelques jours. Vous pouvez même dans les commentaires noter je te paye le 5, je te paye le 10, je le sais et c'est OK. Voilà. Ce sont des facilités en fait que je propose pour que chacun puisse y accéder et qu'il n'y ait pas besoin d'attendre. Alors là, bon, comme il commence le 3, il y a des gens qui m'ont dit, bah, moi je m'inscrirai le premier, moi je m'inscrirai le 2 ou le 3 parce que je touche mon salaire à ce moment-là. Ben, faites comme vous voulez. On commence le 3. Donc voilà, vous avez jusqu'au 5, jusqu'au 6 pour vous inscrire si vous préférez faire comme ça. Et vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà et proposer un paiement ultérieurement par chèque ou par virement si vous le souhaitez. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir ouvrir le coaching au plus grand nombre. Que chacun puisse s'y connecter s'il en ressent le besoin, s'il en ressent l'envie. Si là, en m'écoutant, vous dites, punaise, mais c'est carrément pour moi ça. Si vous vous dites, oui, je crois que j'ai besoin de guérir des choses, j'ai besoin de travailler. Voilà, il faut que ça soit une vibration pour vous. Il faut que vous vous sentiez vraiment engagé, vous vous sentiez prêt à vous investir finalement pour vous-même. AIME. Voilà ce que je peux vous dire pour ce prochain coaching du mois de mars. Donc, apprendre à s'aimer, réapprendre à s'aimer, se connecter à sa flamme divine, à l'amour universel et améliorer, adoucir ou apaiser les relations aux autres, que ce soit dans une relation de couple ou
dans des relations familiales, des relations amicales ou professionnelles, pourquoi pas. Je vous souhaite donc d'ores et déjà la bienvenue sur ce coaching Love du mois de mars. À très vite.